Salam alaikum le vlog, j'espère que vous allez bien. Bon, la famille, aujourd'hui, nouveau vlog. Déjà, Aïd Moubarak à tous, Aïd Mabroukoum. Force à vous pour répondre à ça à vos proches. Quand quelqu'un vous dit Aïd Mabrouk, qu'est-ce que je dois leur répondre? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. J'ai jamais su. On va essayer avec Kayla. Salut mon bébé. Comment on dit Aïd Moubarak? Tu réponds quoi? Je dis merci. Merci. Mais non, faut pas répondre ça. T'as flop là. Bah alors un cœur. Non, pas un cœur. Non, je rigole. Un doigt d'honneur. Je rigole. Un doigt d'honneur. Mais toi, tu veux pas dans mon cœur. Cœur? Tu me fais un bisou. Putain, la tête de défoncer. Petit bisou, petit bisou, petit bisou. Mouah. Mais oui, je sens bon, je sens toujours bon. Bon bah la famille, nouveau vlog. Il est actuellement 4h37 du matin. Il est à Dubaï, la prière elle est hyper tôt. Les gars, c'est quelle prière qu'on va prier là? Celle de Farj et celle de... Voilà, donc là on va prier celle du Farj. Et après il y a la prière du Aïd directement, qui s'enchaîne après. Bon du coup vous avez capté, on va à la mosquée là. On est avec Adem. Salam alaikum. On est beau gosse là, regardez, un djellaba toute blanche. Non, on va louper la prière de... Moi, je l'ai... La prière normale et la prière de l'Aïd. Prière du Fajr. On est trop en retard. Ouais, on est en retard de malade. Il y a aussi le papa qui est derrière. Salam alaikum, bonne fête à tout le monde. Mabrouk l'Aïd. Bon, on se dépêche d'y aller, on va être en retard. Tu te sens comment là? Franchement, je me sens hyper bien, hyper léger. Il y en a un qui a oublié son téléphone. Et moi, je l'ai pas pris, j'en veux pas. T'as oublié ton tel, papa? Et on voulait pas, merci. En espérant qu'en revenant, les filles vont préparer de la bonne graille. Bah Léa l'a dit, elle prépare un putain de truc. La famille, le ramadan il est fini, on peut manger. Et ouais, enfin. Ceinture enfin. Par contre. En vrai c'est passé vite cette année quand même. Chaque année c'est pareil. Chaque année ça passe trop vite, de plus en plus rapide. Est-ce que vous aussi quand vous faites vos ablutions, bizarrement c'est à ces moments là que vous avez envie de péter? Moi en fait j'ai fait de l'odo comme par hasard, j'ai envie, ça me casse la tête ça. Ouais, ou sinon tu sais ça fait quoi? Une bulle. Tu sais, une bulle de pète. Ouais, ouais. Une bulma. T'es obligé de serrer tes... Une bulma. T'es obligé de serrer tes fesses, frère. Bon, on fait quoi? On va à la mosquée hyper loin? On arrive en retard ou c'est juste à côté, y'a personne? Bah, viens, on va à celle d'à côté pour prier la prière de l'Fajr. Bah, celle d'après, 15 minutes après. Et on est à 35 minutes. Ça sert à rien, autant prier ici, frère. Parce qu'en fait, on devait rejoindre notre manager pour aller prier tous ensemble. Mais je pense qu'on va abandonner l'idée, hein. On va aller qu'entre nous. Bah ouais. Soit une à quelle heure là-bas? On arrive à 5h15, 5h16. Oh, c'est trop loin, c'est mort. Ouais, c'est fini, c'est dans même pas 5 minutes là. Mais c'est abusé, comment c'est hyper tôt ici, il enchaîne direct après la prière. Et là c'est juste là, il y a personne. Vas-y, viens, on va là, direct. Et au pire, on demande ici. Ah, parce qu'on sait pas comment ça se passe à Dubaï, c'est pas pareil qu'en France, les prières et tout. Enfin, si t'as l'heure de la prière normale, Fajr, mais après fait, celle de l'Aïd. C'est le manager, là. Je lui dis quelle heure, il me dit vers 5h. Normalement, il y a une horaire précise pour la prière, tu vois. Ouais. Vers 5h. Ça peut être 5h50 ou 5h02. On verra bien, on va demander. Hein. On va se renseigner. Bon, la famille, on vient d'arriver devant la mosquée. On est légèrement en retard, j'ai l'impression. Ça devrait le faire. Il s'en fout, lui, il me fauche la voiture. On va s'énerver, aujourd'hui c'est la fête. Regardez, il commence à faire jour. Là, ouais, bah, la famille, on va prier. A tout de suite, on revient. Bon les amis, on est revenu, ça y est, c'est terminé. C'est bon, on a prié, on s'est fait engueuler par l'imam. Pourquoi tu dis ça? Ah, il faisait que de crier. Non, en plus, le pire, c'est qu'on comprend rien, il parlait en arabe. Ouais, mais à ce qui paraît, il parlait de... Il parlait de quoi exactement? Du Dajjal. Et qu'il fallait apprendre. Ouais, en gros, fallait pas suivre... faut pas trop suivre Internet. En mode, parce qu'il y en a, ils t'égarent. Donc c'est mieux, t'apprends le Coran, t'apprends la lecture et tu lis. Apprendre, lire. Voilà, c'est important. Donc voilà, ne nous écoutez pas si on vous fait des rappels, allez chercher le rappel. De vous-même. Allez chercher les informations, en gros c'est ça. Dans le Coran. En tout cas, incroyable la mosquée. Après, il y en avait une autre là-bas. Je sais pas si vous la voyez juste ici. C'est là où on a mangé au restaurant, là. Elle est super belle. Bon, en tout cas, c'est une dinguerie, hein. Ça rassemble tout le monde, l'islam. Là, tu peux faire demi-tour là-bas. Ouais. Noir, arabe, turc. Regarde la musique. Il y a de tout, ouais, blanc, frère, il y a de tout, les frères. C'est ça qui est beau. Il n'y a pas de différence, il n'y a rien, il n'y a plus rien qui compte là, juste Dieu. On a tous le même point commun, la même réussite. Pas de pauvres, pas de riches. C'est ça. Tout le monde au même enseigne. Voilà, là, ouais. Je peux vous dire qu'on ne voyait pas les riches de Dubaï, on était tous
tous à la même échelle. Voilà, ça qui est très très beau. Regarde la voiture. En tout cas là on va rejoindre les filles, on va aller voir ce qu'elles font, si elles sont réveillées. Et puis je me sens apaisé genre. Vous vous sentez comment vous? Moi franchement je me sens bien, juste j'ai faim là. Ah mais c'est plus le ramadan, on peut manger, on peut boire. Je me sens apaisé. Ah c'est incroyable. Mais quand même, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était pas assez rempli genre. Bah après, il y a plein de mosquées à Dubaï donc... C'est vrai qu'il y en a énormément. Personnellement je trouve que les musulmans de France, ils sont mieux quand même. Plus propres. Comme il y avait beaucoup d'ethnies différentes ici, chacun était différent de nous, tu vois. Ouais, par rapport à quoi? On prie tous différemment. Mais par rapport à... Je sais pas. Il y en a qui faisaient ça quand on disait plein de fois. Ah, c'est des détails. Ouais, mais il y en a des autres qui le faisaient pas, tu vois. Peut-être que eux, ils doivent se dire pareil de nous, genre sur des détails, en mode qu'est-ce qu'ils font eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas les détails qui comptent. Ouais, c'est l'intention de toute façon. On est tous là. Regarde comme ils sont beaux les gens. On est tous au max là aujourd'hui. Ouais, bah, sauf moi et papa, on a des sales têtes, des sales coupes. Des sales coupes? Moi je trouve pas. Toi va te faire la barbe. Ah ça va aller au coiffeur là, venons on va. Ouais je pense moi il va... On va faire petit déj à Léa, après on y va. Vas-y. On fait petit déj à la maison. Parce que je crois que Léa elle a préparé un petit déj. Vas-y, let's go. Adem, il y a tes chaussettes qui traînent par terre. Wesh. C'était dans le coffre et puis je les ai mis là. Bon, on est rentré. Salam alaikum. Salam alaikum. Ah ouais, ici c'est endormi hein. Non, c'est pas du tout endormi non. Ça va Léa? Vous rentrez pas ici tant que j'ai pas mis la table. Quelle table? Oh, Azama, c'est sûr. Azama, il y a une table, on rentre, il y a une table. Ça, c'est des femmes, tu vois. Oh là 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 là. Bah, bombé qui sale. Ah, mon premier truc. Des petits bonbons. Putain, Adem, t'as cassé ton jeûne. Oh, mon premier manger avec des bonbons. Et ici, elle a fait quoi? On est prêt? 1, 2, 3. Des crêpes, yes sir. Ok, on touche à rien. Vous voyez, Léa a fait quelque chose, elle a fait la meuf, j'en veux même plus, je veux manger dehors. T'as vu ma coupe là? Là on va aller au coiffeur avec Adem. Vas-y, je viens avec vous. Ouais, là, c'est critique frère, t'es mort. C'est quoi Kayla? On dirait on sort de l'hôpital. Kayla c'est sûr et dort. Aïd Mabrouk. La famille, on est avec la daronne, elle est juste là, elle est encore malade un peu. Kayla. T'es où? T'es là? Vas-y, habille-toi, j'espère que tu t'es fait belle, hein. Vas-y. Les abonnés, ils vont te juger, là, ta tenue de l'Aïd. Ouais. Adem, viens. Viens manger, Adem. Oh, regardez la table. Léa, tu peux nous dire un peu ce qu'il y a, là? Alors, déjà, premièrement... Des crêpes? J'ai fait des petites crêpes. Maman, viens manger, va t'asseoir. Ensuite, j'ai fait des racilles. Donc là, c'est quoi à l'intérieur? Un racile de banane, comme t'aimes bien, avec amandes. Voilà, c'est un petit milkshake, un petit smoothie. C'est ce que je raconte, avec des dattes. Date banane, c'est la meilleure. Un petit moelleux au chocolat. Moelleux au chocolat. Elle a fait tous les fruits secs. Moi j'ai des choupa choup pour ta capare. Pourquoi il y a des sucettes? Ah par contre les fruits, moi j'aime bien le matin, tu vois. C'est sympatoche. Bah écoutez, il y a des trucs. En vrai là, tu sais, je vais faire le mec chiant. Je peux pas piocher. T'as lavé les mains? J'ai propre, je fais le lodo. Quand? Je t'ai mangé une menace là. T'as touché avec tes doigts les fruits. Tiens. Merci. Et comment tu prends le raisin? Il est accroché à l'arbre. Vas-y. En vrai là vous savez ce qui manque? Je vais être chiant d'ailleurs. Mais je sais que t'as pas pu prévoir. Non, ah ouais ça m'écoute. Ça m'écoute pas là. Ouais vas-y pardon, qu'est-ce qui manque? Il manque des gâteaux rebuts. Ah bah ça. Maman elle est obsolète en fait, pour les faire. Hein. En fait j'aime pas ça, du coup j'en fais pas. Ok elle aime pas. T'aimes pas quoi la robe? Non les gâteaux rebuts elle aime pas. Alors Adèle, regarde, tu prends des crêpes, tu prends des fraises, tu mets dedans, ça, tu mets dedans. Ça a des bonbons dedans, un peu de gâteau, tu fermes. Un taco aux fruits quoi. Voilà. Là j'ai pris ma crêpe, voilà. Moi ça va être du sucré. Plus en vrai là, vous savez, vous serez arrivé avec un truc salé, je l'aurais mangé genre. En fait j'ai hésité, je voulais faire aussi un menemen, mais après j'avais pas le temps. Petite omelette, j'avoue, j'aurais pas dit non. De toute façon t'inquiète, je vous ai préparé un petit truc après. Préparer quoi? Je peux passer une crêpe. Du bateau. On va faire du bateau aujourd'hui. Oh là là, le goat. Mais ouais mec, bon. Les amis. Adem il va être indulgent là. Les gars, on va savoir si ton gâteau moelleux au chocolat est réussi. Déjà, il est super bien équilibré. Tu ressens la camomille déjà ouais, avec l'odeur. Il est aérien, genre. Ça la se voit. Camomille. Bismillah. On veut un avis là. À mort, t'es lent. On va pas le donner.
C'est bien. Ton manche dans le Nutella, bien vu. Non. Regardez, déjà, je l'ai ouvert, là. Il y en a, ils vont m'insulter, et là, encore plus. Tu sais que je suis toujours pas donné la vie. Ouais, oui. Du coup... Vous le voulez? Non. Ça y est, on le veut plus. Non, ça y est, on s'en fout. Regardez. Pose-le dans l'assiette. Prends une fourchette et couteau. Wesh, c'est quoi? C'est des sauce anglaise. Vas-y, maintenant, mange-le avec comme ça, là. Sauf que là, tu viens de prendre du verre à Kayla. C'est pas grave. Il y a un autre, là, regarde. C'est celui de Bilal. Et c'est où le... C'est bon, je veux lui remettre. Non, il en manque pas trop. Bon, on va voir, c'est la technique de gros. C'est là. C'est sûr, c'est bon. Ça peut être que bon. Là, je donne mon avis, 10 sur 10. Oh, la belle gueule. Wow. T'es fuck à l'aïe. Merci. Bientôt. C'est dans une semaine, précisément. Bah, on peut quand même le dire. Tu quel âge? 5 jours. J'ai avoir 20 ans. Non, je rigole. Le 15 avril. Le 15 avril, bientôt 13 ans. Le 18 avril. Ouais, t'es pas là pour les deux. Hein. Ouais, moi j'ai des trucs à faire, moi je suis un businessman. Moi, c'est un malin, Bilal, il sauve avant. Pour pas payer. Voilà, comme ça, y'a pas de cadeau, y'a pas d'argent. Tu t'occupes de son cadeau et tu le feras avec ton argent personnel, tu touches pas la société. Et là, sinon, toi, ça va, c'était comment ce ramadan là? C'était facile, c'était. Ouais, en même temps, tu te réveilles à 17h. Non, non, j'ai carrément rien fait, c'est lui derrière. Qui? Toi? Et si je veux partir dormir à 13-14h? C'est normal, je me réveille à 17h, j'ai dormi que 5h, donc c'est moi qui a le plus tenu le ramadan ici. C'est bon? Je vois, c'est calme là sur la table. Je te débrouille avec ton créateur aujourd'hui. T'inquiète pas, je lui ai parlé aujourd'hui. Bref, c'est qui t'a créé? Bah, Allah. T'en es sûr? Ouais. Ça, c'est les gens qui te disent, mais tu le sais pas. En vrai, c'est vraiment vrai. Bah, si, sinon, c'est pas parti à la mosquée, on n'aurait pas cru, genre. Peut-être que c'est un nuage qui t'a créé. Un nuage? Les crêpes, elles sont en sueur. Starfall. C'est un nuage de goût. Oh, il a bien fait. Ils sont super bonnes. C'est quoi? Moi, je pense que tu serais plus belle. Je pense que tu serais plus belle avec les cheveux bouclés. Bouclés? Non. Là, j'attends qui sait si je vais les lisser. De quoi? J'attends qui sait si je vais les lisser. Ah. Bon, bah, bon app tout le monde. Merci. Bon appétit. Bon salut. Avec ma brouille. Je vais finir de manger, aller dormir. On fait quoi après? Bateau. Ah oui, c'est vrai. Mais avant, on va se couper les cheveux parce que là, ils sont vraiment schlag. Hein. Les deux là. Oui, mais je rigole. Ah, regardez la coupe. C'est vrai que je suis très moche en ce moment, les frères. Attendez, là, on peut constater qu'il est pas yaourt. Wesh. Vas-y, arrête. Wesh, il est gêné. À chaque fois, fait ça. Hey, ça fait 23 ans, on vit tous ensemble, t'es encore gêné. Si t'embrasses ta femme dans la rue, les gens ils vont croire que c'est deux femmes qui s'embrassent. Ouais, de dos surtout. Oui, ouais. Il a fait un carré plongeant. On dirait trop maman, c'est une dinguerie. Attends, il veut pas arrêter d'être paillé, wesh. Tu fais quoi, Nel? Pourquoi t'es paillé? Vas-y, coupe, elle est morte. Ça fait 5 heures que je suis dans la cuisine pour que vous mangez en 20 secondes. En tout cas, ça se voit, personne n'a validé le gâteau. Hein. C'est pas grave, j'ai les gâteaux. Non, mais au moins, elle l'a fait. Moi, je l'ai mangé, j'ai pris ma part. Moi aussi, hein, j'ai pas. Un bout. Mais, ah, mais tu as mangé. J'ai pas envie d'être calé avec ça. Et surtout, n'oubliez pas, après les 3 jours, 4 jours de fête, vous pouvez faire encore une semaine de ramadan, équivalent à un an. Exactement. Un an? Non, t'inquiète. Hein. Non. Non, juste 6 jours de ramadan est équivalent à un an. Ah ouais. Ah, non, mais c'est pas de dos avec tes cheveux. On va pas se mentir, ça y est, c'est fini. Hein. C'est pour ça qu'il est équivalent à un an, parce que il faut avoir le courage de le faire les 6 jours. Oh, on a eu le courage un mois. Hein. Je rigole, je... On va le faire. Adem, c'est pas merveilleux ce qui se passe là? Ça va? Ouais. C'était sûr en fait. Petit débarrassage. Ça va Kayla, tu le vis comment là? J'ai chaud, je suis en train de tuer, je suis en train de puer. Voilà, on t'a dit de pas te faire belle, ça sert à rien, tu vas débarrasser. Adem, aide tes sœurs. Non. Papa, t'aide pas? Non. Je viendrai vous chercher en enfer. Ah, ça veut dire qu'elle s'est déjà allée en enfer. Non, vous. Moi, je serai au paradis, je viendrai vous chercher vous en enfer. Starfondla, t'es sérieuse de dire ça? Parce que tu mets des verres de là à là-bas. Hein. Voilà, juste pour des verres et des assiettes. Bah, fais-le alors. Pas du tout. Pourquoi? Juste pour vous regarder. En train de brûler. Elle est trop... Elle est nulle, ça. Allez, en tout cas, ton ramadan, il a pas servi cette année, allez. Ça t'a
t'as pas sagi, toi. Ça fait 150 ans, tu fais le ramadan, tu pries toujours pas. C'est bien, juge, allez. C'est bien. Tu feras la vaisselle même en enfer, toi. Tu feras la vaisselle même en enfer, toi. Ah, c'est giga drôle. Tu débarrasseras le Satan. Là. Ça y est. T'as mis ton masque, on a acheté des masques, la famille, incroyable. Montre-leur, là. La boîte, elle est trop belle. On pue quand même. Ok, rageuse. Non, réalité. Je pue de partout, sauf de là où je l'ai mis. Montre-leur le packaging. Regardez comment il est trop beau. C'est lequel, toi? Quel goût? Moi, j'ai un musk blanc. Quel goût, comme si ça se mangeait. Et celui-là, c'est un musk blanc... Rose vanille. Rose vanille. Blanc et rose vanille. Incroyable. Ils ont posé la table dans la joie et la bonne humeur. Le débarrassage, il faut que ça soit aussi dans la joie et la bonne humeur. Ouais, sinon ça sert à rien. C'est comme si tout ce qu'elles avaient fait pour rien. Voilà. Tu vois, elles prennent des hassanettes et après... Elles perdent. Ça disparaît parce qu'elles se plaignent, tu vois. Ouais, je comprends pas, moi. C'est comme si je disais El Fatiha, à la fin je dis pas Amin. C'est pareil. Hein. Papa, tu fais quoi? En train de lire le journal. Ça le vieillit pas un petit peu de dire ça là, il lit le journal. C'était les vieux qui faisaient ça. Mais c'est un vrai journal. S'il y a une guerre, toi tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe? Moi je serai déjà au courant à l'avance. Dans tous les cas, même si on est au courant, on va mourir. Mais non, parce que je serai déjà préparé à l'avance. On va faire quoi? Ah ouais. On a pas une bunker, un bon poumon. Oh, j'arrête sur ça. Tu leur as pas dit à la famille? Oh là. Oh la famille, il a acheté des nouvelles voitures. Attends, on leur annonce ça comme ça. Attends, on leur a pas dit, la famille. Hey, regardez, attendez, elles sont où mes clés? Et là, tu viens avec nous, on va tester les voitures. La famille, il faut savoir que maintenant, on est à Dubaï, on vit à Dubaï. Comme on vit à Dubaï, on a acheté notre première voiture personnelle avec Adem. Donc là, ça veut dire qu'il y a plus d'eux, on partage la voiture. Regardez la marque. C'est une Golf. Quoi? Attends, la lumière. Mais quel type de Golf? On va voir ça tout de suite. Celle-là. Golf, c'est écrit quoi? R, R. Déjà, il y a le R. Oh. Oh, on a celle d'Adem dans 3, 2, 1. Famille, voilà les Golf 8 R. C'est voilà. Une dinguerie, voilà. Hey, hey. On est trop contents, notre première voiture personnelle. Voilà, une Golf 8 R chacun, frérot, on n'a pas rigolé. On avait marre de partager une voiture à deux, du coup là... Voilà, Adem, il y en a une bleue. Tu leur présentes, c'est quoi ta couleur à toi? Alors, ma voiture à moi, c'est la bleue, les frères. Voilà, et moi, c'est la noire. Elle est juste ici, elles sont magnifiques. Donc voilà, dites en commentaire ce que vous en pensez du choix de la bagnole. Voilà, dites en commentaire laquelle vous préférez, la noire ou la bleue. Kayla, toi, tu préfères laquelle? Moi, je préfère la bleue. Ah ça ouais fait, ça fait plus original, ça fait plus... Mais la noire, tu vois, elle fait Dark Sasuke, t'as capté? Regardez l'arrière seulement. Je pense que vous avez vu déjà. Regarde l'arrière, frère, comparé à ton arrière à toi. T'as capté? En fait, les deux, elles sont méchantes. En fait, les deux, de toute façon, c'est les mêmes. Mais le truc, c'est que noir sur noir, on voit pas les détails. Et là, t'as tous les détails qui sortent quand tu regardes. Ok, combien de chevaux, les bagnoles? Alors, elles sont les deux à 320 chevaux, sauf que monsieur Jemka les a passées au banc. Elles sortent 352 chevaux. Ça veut dire la famille, elles sont ultra vitaminées. Ouais. Et on va les tester aujourd'hui. On va aller la tester, on va prendre la tienne. Dans tous les cas, c'est les mêmes, c'est la même. Ouais, c'est tout pareil. L'intérieur, il est pareil. Bon, vas-y, on leur montre un peu l'intérieur. Vas-y, let's go. Putain, la tête d'homme, je suis trop content de vous partager ça, la famille. Ça fait trop plaisir, vraiment. Ça aussi, hein, quelque part, c'est grâce au charbon. C'est grâce aux abonnés qui nous suivent. Les 2 millions d'abonnés, la famille, on voulait vous remercier aussi parce qu'on les a passés. On s'est offert un petit cadeau pour la ride. Pour voilà. Les 2 millions d'abonnés. 2 millions d'abonnés. On se le devait. De gros gamos. Voilà, pendant ces 4-5 années sur YouTube maintenant. Alhamdulillah, grâce à Dieu. Regardez nos parents qui sont à Dubaï. C'est la fin des ramadans. Que dire de mieux? Regardez, on a les gamos. On n'oublie pas d'où on vient malgré tout. Ça y est, qu'est-ce que tu me fais le chier? Non mais... Le bâtard. On n'oublie pas malgré... T'emploies les grands mots, ça y est. Non, parce que je sais qu'il y en a, ils vont dire, ah ouais, ils ont pris la grosse tête. Oui. Ils se sont achetés des véhicules. Mais alhamdoulilah, il faut dire, les frères, tout ça, on a travaillé pour. Et grâce à vous aussi, parce que vous êtes là à suivre et à donner la force. Pourquoi tu pars quand tu parles? Le mec, il se barre loin.
Regardez-moi ces beaux sièges baquets, les frères, ils sont incroyables avec le logo R. On a le toit ouvrant obligatoire. Toit ouvrant, franchement, t'es bien. Vas-y, montre-leur le volant, tout ça, là. Regardez ce magnifique volant avec les palettes, voilà. T'aimes bien, toi, le tableau de bord, quand même? Elle est propre. Ouais. Et la voiture, dans la nuit, je vous jure que dans le noir, elle est encore mieux, parce ouais, qu'avec les LED et tout. C'est magnifique. Ça tue sa mère. Vas-y, viens, démarre, Adem, on entend, on écoute le bruit. Vas-y. Vas-y. Bon, Adem, là, je rapproche la caméra juste ici. Ton plus beau bruit. Oh là là, Starfall, là, le bruit. Elle est ultra vitaminée, les frères. C'est trop bien. Sorti à Krapovic. Écoutez, écoutez, écoutez. Attends, attends, Adem, là il est tôt, les gens ils dorment, moi là. Bah les couilles. Tu veux pas aller plus loin? Non. Bah... écoute, écoute, écoute. Elle est encore froide. Elle est encore froide. T'es sûr de jouer avec ça là? Elle va claquer. Eh hey, la famille, on leur a pas dit, elle est neuve. Ouais, elle est sortie d'usine, hein. On l'a acheté neuf, ouais. Combien? Vas-y, on en est honnête sur les prix. Là, la voiture, elle est actuellement à 300 km, puisque j'ai déjà roulé 300 km. Pareil, moi aussi. Mais sinon, en gros, avec l'assurance, tout compris, machin... la garantie. La garantie et tout, 110 000 euros les deux. Les deux, ça veut dire une à peu près... 55 000 euros. 50... Ouais, voilà, c'est ça. Sortie d'usine, hein. Et c'est pas comme en France, il n'y a pas de malus, machin. En France, je pense qu'on en avait pour 70 000, une. Ouais. Plus sur du 140 000 euros les deux. Exactement. Enfin, allez, vas-y, vas-y, tu fais péter derrière, je leur montre, je ouais. leur fais écouter. Oh, ça me fout. Aïe, 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 mes oreilles. Encore. Oh là 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 là. La famille, dites Mashallah. Kayla, dit Mashallah. Mashallah, comment elle est incroyable. Ah là là. Mashallah, frérot. Bon, on va la tester. Allez, monte. C'est parti. Let's go. T'inquiète pas, mon bébé. Je reviens vite. Tu vas où? Je vais garer la voiture, je te rejoins. Ah oui. Elle est belle ou pas? Regarde son cul, regarde son cul, regarde son cul. C'est vrai qu'elle est magnifique. Incroyable. Bon, c'est parti. Ceinture. Ceinture, oui, chef. Kayla, ceinture. Ceinture. Dégage, la mouche, il y a toute la planète. Elle aussi, elle veut faire son tour de voiture, la mouche. Pourquoi tu t'énerves? Putain, mais qu'est-ce qu'elles sont bêtes, ces mouches. Ici, là, premier degré contre une mouche. Ça va, tranquille. Hey, casse les couilles! Avec mon baraque là, parle correctement là! Ouais, c'est des conneries! Attention le toit! Et voilà, le toit ouvrant. Ça c'est sympa quand il fait beau. Hein. Comme actuellement quoi. Ouais, c'est vrai. La voiture elle est en rodage donc je vais y aller morrow. Après, ce qui est bien les frères, c'est qu'il y a différents modes de conduite. Là je suis en mode confort, t'appuies sur le logo R sur le volant. Hop, mode race. Là il y a plusieurs modes, montre-leur les modes. RD race, sport, drift. Et spécial, ça c'est Nürburgring, ça c'est de la dinguerie ça. Ça bombarde le spécial. Ça c'est piste en mode. Il y a même drift, mode drift. Ouais, et en gros tu peux le ressentir dès maintenant. Oui, wow oui. Ça va Kayla? Oui, ouais. C'est trop dingue, j'aime trop. T'aimes bien la sensation, la vitesse? Ouais. Trop la voiture. Eh ouais mon gars, toi tu pourras pas te payer ça. toi tu peux pas toi. Direct tu prends la grosse tête. Ouais. Ouais Adem, depuis que t'es à Dubaï, t'as pris la grosse tête. Ouais. Tu vois lui là? Il me pète par la gauche, il croit c'est un show. Ciao. Allez, reste derrière, poteau. Oh les bruits de sac là. Oh là là. Vas-y, vas-y, fais quelque chose là. Dépasse-le lui à droite là, à droite. Tu me le manges Adem? Non. Tu me le manges? Oh là là, ça bombarde. C'est une dinguerie comment ça nous emporte sur le siège. Ça vas-y. Prend ton âme frère. T'as vu, ça arrache l'âme. C'est quoi Adem? Réessaye, on va voir vraiment si ça. Si on est en train de. L'âme elle est en train de sortir. Oh, oh ouais. Ah putain mes genoux ils ont tapé. Ah propulse vraiment. Ah ouais, les propulsions de Barjou les mecs. Non. Franchement tu remarques quand même que dans ce véhicule là. Oh, oh j'arrive même. Oh là là, ça a pété là derrière. Oh, oh ça, vous avez entendu ou pas l'explosion? Ça a pété. L'explosion de saveur. Oh là là, encore. Oh encore. Encore. Ah. Le manager qui appelle. Là, on fait une vidéo pour l'Aïd. Je suis en train de présenter la voiture. Ok. Sofiane. Vous avez fait le petit DG et tout ou pas? Ouais. On a un pétard là, on a payé les voitures, il nous faut des OP. Du coup,
beaucoup la famille. Tu as 2000 euros à Logitech, frère. 2000 euros à Logitech, hein, c'est vrai, j'ai pas fait un placement de produit il y a pas longtemps. C'est bon, t'as parlé d'eux là en vidéo, c'est bon. J'ai fini, vas-y, à tout, je passe en vitré. Vas-y, t'as l'air. 3, 2, 1, va. Oh là là. Oh là là, c'est une dinguerie, comment elle est partie comme une fusée. Je sais pas si on voit bien le rendu en caméra, mais en tout cas dans la vraie vie, c'est une dinguerie. Il me fait marche arrière sur la route, lui. Franchement, c'était aberrant. Ça ? Ouais, vraiment. Allez, viens t'asseoir. Allez, on rentre. En tout cas, la famille, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'était un régal. Kayla, t'as kiffé le tour, là ? J'ai kiffé, hein. Les... C'était incroyable. C'était une voiture... C'est une voiture de course. Et encore, je crois que je vais faire des petits trucs dessus, des petites molifs. Ok. Et encore là, elle est pas encore chaude, hein. On était gentils. Franchement, j'étais gentil, hein. Vraiment. En fait, c'est parce qu'elle est en rodage, sinon je t'aurais éteint. T'inquiète, je pense un jour il y aura une petite course sur la chaîne secondaire. Non, sinon on envoie papa en enfer. Ah, vraiment au chétan, genre on va sur un circuit, mon pote, on l'arrache. On envoie papa en enfer en Golf 8R. Ça rime en plus. Allez les frères, on continue la journée. Bon les amis, j'ai fait une petite sieste, nous revoilà. On est en retard, on y va. Nous sommes en retard, nous partâmes. Comme d'hab, hein. Tout le temps on est en retard. Allez Léa, on attend que toi là. Attendez-vous midi, on arrive à midi 22, c'est bien. Voilà. On est vraiment ponctuel, hein. C'est vrai que sans les clés de la voiture, ça va être compliqué. Sinon, on prend les nôtres, la nôtre. J'ai enregistré la voiture de Locke pour le parking gratuit. Oh putain, on prend la voiture de merde, fait chier. Je suis dans un mauvais jour de riche aujourd'hui. Je rigole. À la place de ça, ou alors ma petite voiture là-bas, on va prendre ça. Je suis dégoûté là. Ah ouais, mais tu peux pas rentrer à 17 dedans. Ah ouais, c'est vrai. Là, c'est un 7 places. Je vais les faire chier. Objectif, faire crier Léa. On y va. Ça sert à rien de faire, on n'a pas trouvé les clés. Y a pas les clés de la voiture, on va nulle part. Les clés de la voiture, ils sont dessus. Eh oh, c'est pas les clés. Elles sont dessus quoi? Elles sont sur la voiture, les clés. Bonne de trou duc. Salut maman, en direct de YouTube, on a vu ta tête. Oh, je t'ai affiché encore une fois. Ah, va mieux les frères, de sa maladie, vous vous rappelez? Ah bah non, elle va pas mieux là, elle est en train de tousser. T'inquiète, le bateau, il va te guérir cette journée d'idiote, t'inquiète, tu vas oublier. En vrai, je rigole, mais on était tous païens, frérot. J'ai l'impression à chaque voyage, j'ai une dinguerie. Mon père l'a prise au Mexique, ma mère, elle a failli mourir à Dubaï. Troisième voyage, normalement, c'est la bonne. Il y en a un, il disparaît. Non, Starfall. Il y a toujours un truc dans les voyages, toujours. Mais malgré tout, il faut dire Alhamdulillah. Ah, rien de mieux qu'une bonne journée en bateau pour la fête de l'Aïd. Un bon barbecue, là. Oh là là. Jet ski, je crois, en plus. Normalement, il m'a dit, je te ramène des jet skis. Ok, ça tue. Allez! C'est lui, là, il voulait le fil. Non, t'accélères, ça sert à rien. C'est pas la golf, là. Hein. Ah, ça, c'est sûr. En tout cas, le ramadan est fini. Les filles ressentent le parfum, comme si ça leur avait pas servi de leçon. Tu vois, toutes leurs mauvaises habitudes, elles les reprennent. Direct. Oh, c'est mais normalement, vous les avez pas arrêtées. Non, astaghfirullah, la belle avim. Elle a le démon. Je peux pas dire qu'on les a pas arrêtées, puisque on mangeait de base. Déjà. Ouais, là on n'a pas mangé, là. Ma mère, c'est une émire, hein. Oh là là, c'est beau gosse derrière. Ça va, Kayla? C'est chaud. T'as déjà fait du jet ski? Bah oui, au Mexique. Il m'a dit finalement votre départ c'est dans une heure, mais il va essayer de vous faire partir plus tôt. Ah, parce que une heure d'attente là, ça y est. On doit attendre une heure là? Normalement, il a dit une heure. Ah, y'a notre manager qui arrive, on l'attend. Perco, maman, encore une fois, c'est le deuxième manager, c'est celui qui travaille dans Rachid Media. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui travaillent pour nous et voilà. Ça va être un yacht à peu près de ce style, papa. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Du coup, il va nous faire partir quand tout le monde est là, au final. Ah ouais, il y a des parachutistes. Adem, faut qu'on en parle de ta tenue. Ok, vas-y, redis-moi. Ah, excuse-moi, il est booké au téléphone. Regardez la tenue, les frères. C'est aléatoire, frère. Il a aléatoire, voilà. Il a mis des chaussettes de grand-père, du violet, du rouge. J'ai pas capté la tenue. Bien. On fait ça dans la caméra, c'est ça? Bien quoi? Ça va, bien. Tranquille. Ça va? Voilà, Sofiane nous a rejoint. C'est celui-là? Ouais, c'est lui. Oh là là, il tue sa mère. Là, il est beau gosse, hein. Allez, ça monte. Maman, tu kiffes le yacht? Ouais, il est trop beau. Franchement, ça tue. Bon, on le visite vite fait, là. Bon, moi, je vais direct en haut, les frères. Ah ouais, d'accord. Pourquoi? Y'a rien, hein. Kayla, rentre à l'intérieur, on va voir ensemble, là. Ouais. C'est parti. Oh, alors, on découvre avec Kayla. C'est super mignon.
Voilà. C'est cocooning. Petit canapé, il y a des bouteilles d'eau, on est bien accueillis. Il y a une salle à manger. En plus, ça y est, on peut boire, c'est fini. Il y a une salle à manger. Oh, il y a une télé. Ouais. Salle à manger. Là, c'est le pilote. Hello, my friends. Voilà, il est là le frérot, je sais dire que ça en anglais. Là, je sais même pas si j'ai le droit, mais il y a une cuisine. Oui, descend. J'ai le droit. Mais on l'a croisé en fait, le mec. Ah ouais, tous les pains. Oh, ça annonce un gros barbecue, ça. Ouais, moi, ça, c'est leurs affaires, je pense. Ouais, je valide. Mais après, c'est là où tu vas rester toute la journée, en fait, toi. Voilà, la cuisine. Tu vois, même le manager. Lieu de prédilection. Même Sofiane, il s'y met, les frères, voilà. C'est l'instinct femelle. J'allais faire ma sieste, je suis en nuit blanche. On est tous en nuit blanche. Oh, yo, yo. C'est trop chemin, c'est. Oh, douche. Oh, douche, toilette. Ça sent... Oh, petite chambre. Regardez mon petit outfit of the day. Ah, outfit of the day. T'es éclaté. Hein. Ouais, je sais. T'aurais été mieux à Abaya la journée. Ouais, mais il fait 700 degrés, mon ref. Ah, c'est vrai. C'est vrai, il fait chaud. Bon, bonne nuit tout le monde. Moi, je m'arrache. Ah, on n'est pas bien là avec un petit écran télé. Ouais. Ok, la personne qui m'appelle, je me fais des films. Ça me demande déjà des corvées. Merci. Tiens, moi, j'ai déjà demandé, il y a un barbecue, ouais, ouais. Il m'a dit oui. Ouais, t'inquiète ouais. Pas, tu vas manger, frérot. Ouais, j'ai payé, ouais, je rigole. Non, tout est gratuit, hein. Franchement, c'est un grand merci, c'est incroyable. Un grand merci à qui? Un grand merci à Dubaï Chéri, les frères. Voilà, la famille, ils ont des activités de ouf. Buggy, jet ski. Hey, ils font tout. Yacht. Incroyable. Ah, il pilote là, le mec. Je croyais que c'était en bas. Hello, boss. Good. C'est lui le pilote aujourd'hui. C'est vraiment un beau gosse. Hein. Ah, il fait Zarma, il est au hôtel, il veut pas me parler. Il calcule pas du tout. Hein. Il s'est dit, il est bizarre lui, il ramène la cam et tout. Good pilote. Yes. Ah, c'est un bon pilote, les frères. Bon, il veut pas discuter. Hein. Je rêve, vous, fin des ramadans là. Voilà. De la musique. Qui a mis la musique? Ça reprend plus. Ça reprend plus belle là. On a déjà oublié les valeurs là. C'est marqué iPhone de Leia juste là. Wesh, Leia, tu fais ça. Mais tu fais quoi ici toi? Va préparer le barbecue. C'est quoi, tellement il est vicieux, il est capable de nommer son téléphone iPhone de Leia pour dire que c'est moi. Ouais, ouais. Voilà, la fin du ramadan, elle se retrouve autour de 6 hommes là d'un coup. Ça va, y'a papa, wesh. T'as vu comment il parle? Tu lui dis rien. Voilà, il a raison. Ça va, y'a Kayla. De quoi y'a quoi, de quoi? Non, rien, c'est pas de ton âge. Je fais trop le grand, toi. Ils sont en train de préparer le barbecue là, ça sent super bon, c'est magnifique. Oh là là, regardez-moi ces bonnes merguez. Magnifique. Après, il y a de la viande et tout, ça va être méchant, les frères. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. On va se régaler. Franchement, le mec, il travaille avec des gants. Ah, il travaille proprement de fou. Good boss. J'ai faim. Prépare ma saucisse. Franchement, il travaille proprement avec des gants. Ouais, c'est dard. Ouais, mais t'as tort parce que je l'ai vu, il a pris les merguez, il fait. Ah. En vrai là j'ai faim. Genre d'habitude à chaque fin de ramadan, quand c'est l'Aïd, j'ai pas faim. Et aujourd'hui j'avais que la dalle. C'est parce qu'on a mangé tout à l'heure, ça va ouvrir l'appétit. Ma famille pose de la dinde. Une petite brochette de dinde. Oh là là, c'est beautiful. Bon la famille, j'ouvre les hostilités. À l'assaut les frères. Regardez-moi ces bonnes merguez. En fait ils ont coupé tous les doigts des émirs, ils sont là. C'est vrai que c'est pas beau, mais ça, ici, on s'en fout. Ici, quand tu voles, bah, ils te coupent quelques doigts. Bah, voilà. Comme c'est la charia. Mortel, celle-là. Allez, pourquoi vous me faites les timides, là, Zama, vous me faites genre... Non, j'ose pas. Je me lave les mains, moi. Attendez, je vais dire si... Il y a des couteaux ou pas? Ouah, ça va. Mais pour la mayonnaise, tu vas mettre les doigts dans la maillot? Bah oui. On va montrer à Sofiane, là, qu'on n'a pas besoin de couvert. C'est parti. Surtout pas besoin de sauce, quoi, non, les gars. Ah ouais, j'avoue, si tu mets une saucisse de chaque côté. Attends, mais si je mets le doigt dans la mayo, ils vont plus la manger, la mayo. Non, mais abuse pas. J'ai remis de la vie, je te laisse le thé dans là-dedans. Bon, bismillah, les frères. Hey, timide le sandwich, hein. Timide le pain. Moi, je m'attendais à une baguette comme ça, frère. Il y en avait, il les a coupés en tranches. Et franchement, on se régale. Je suis calé et il y a encore plein de bouffe qui arrive. Dubaï Chéri, il régale. Bon, la dinde est arrivée. Servez-vous, les amis. Je commence à plus avoir faim donc. Ah ouais? T'es déjà calé là? J'en ai pris 3 sandwichs. Tu peux m'en faire un sandwich, s'il te plaît, à la dinde? Tu
curry, ketchup, mayo. Envoie le sandwich. Il fait le malin. Mais je vais lui faire. Bon, il est pas très beau, mais ça se mange. T'étais trop lent là. Ta gueule, mange. Là, t'étais trop lent. Mange-le, je le tape là, tout de suite. Allez, casse-toi. Casse-toi, j'ai plus de voix. Smer. Alors, il est bon ? Incroyable. Bon, mon grand, jet ski ? Non, faites-le sans moi. Je monte derrière toi, Adem. Moi, je fais tout seul, frère. Ouais, non, y'a pas de ça. Je dois aller aux toilettes. Pourquoi ? C'est le plombeur d'ambiance, je rigole, j'arrive. Allez, mets les gilets de sauvetage, parce que si tu tombes, va falloir te sauver. Oh, le jet ski, les frères. Ah, avec la petite, je vais avec toi. Viens. Yes, with the girl. Leïla, Bilal, il va t'envoyer en enfer. Mais non, mais c'est pas lui qui conduit. Mais si, c'est lui qui conduit. Bah, il est pas là. Bah, le mec, il va partir et toi, tu vas monter. Ah. T'as pas peur pour ta fille? Ouais, c'est nager, ça. Tout à fait, ça. Ah, c'est nager, c'est nager. Ouais. Tiens, je te la confie. Tiens la bière. Oh là là, regardez la vue. Ça tue sa mère. Let's go. Allez, Leïla. Tu vas derrière moi. Tiens, viens. Ah, Bilal, roule pas trop vite, hein. Pas un roule, nage. Vas-y, on s'attrape. Je suis trop belle. Oh, je suis trop belle. Bon, là, ça fait une grosse tête, mais bon. Yes, c'est ok, vas-y, démarre-le. Bon, les frères, je suis prêt, regardez. Il y a le jet, là, on est calé. Regardez la vue de malade. On est calé, oh. Leïla, est-ce que t'es prête? Je suis prête. Est-ce que t'aimes ton frère? Est-ce que tu fais confiance à oui, ton je frère fais confiance, ouais. Ok, bah, fallait pas. Ah, tiens-la fort. Oui. Tiens-moi fort. Oui. C'est incroyable, hein! Incroyable! Eh, je bombarde! Ouah! Eh, je sais pas si vous nous entendez! Mais on bombarde! Tu te sens comment là? Moi je kiffe ma race, c'est incroyable, genre vraiment! Allez, bah tiens là! Vas-y! Je l'envoie en enfer ou pas? Envoie-moi en enfer, frère! Allez. Vas-y! 1, 2, 3! Bon, la famille, c'est mon tour. Let's go. Oh là là, c'est incroyable. Let's go. Incroyable, Dubaï. Voilà, incroyable. Magnifiacos. En tout cas, c'était méchant, le yacht, il est terrible. Dites en commentaire si vous validez le yacht. Je crois vraiment que j'allais pas repartir avec des canettes. Attends, tu fais trop le monsieur propre à prendre une douche. Tiens, qui veut mes chaussettes? Tu les veux? Tiens. Ouais, 100? Non. Bon les refs, pour se requinquer, on va aller se taper un bon petit café quelque part là, parce qu'on est... On va aller se poser, on va prendre à boire, enfin, comme si on n'avait pas déjà à boire, mais tu connais, histoire de chill un peu. Comme si on n'avait pas assez de chill aussi. Non, on a besoin de chill, on vient de faire un mois de ramadan quand même. Ouais, ça fait du bien. En tout cas, c'était pas mal, hein. Franchement, c'était sympatoche. Dommage, j'en ai pas resté une heure en plus pour nager. Non, ça m'a suffi avec le jet ski. Vous avez kiffé. Mais les autres, ils ont pas fait le jet ski, du coup, ils voulaient nager. Je voulais encore me poser, genre. On avait à peine fini le jet ski qu'on devait déjà rentrer, genre. C'est vrai que tout allait vite. On n'a pas eu le temps vraiment de chill pour de ça. Quand ça commençait à être bien, bah c'est fini. Moi, je veux dire la vérité, c'était nul à chier. Bizarrement, on fait du bateau, du jet ski. J'avoue. Et alors après voilà, on a fini, on rentre, on revient au point de départ. En tout cas, les abonnés, vous nous insultez d'être comme ça. Ils galèrent, hein. Ils galèrent pas là, ils sont en train de jouer au city ou du foot. J'avoue, il y en a, ils sont en famille pour l'Aïd avec des potes. Bah nous on est en famille sur un bateau à Dubaï. Chacun son truc. C'était bien ça aussi quand on faisait ça, quand on était plus petit. Ah mais on l'a fait, ça y est. Chaque chose en son temps, maintenant, voilà, ça change quoi. C'est elle qui a rien vécu. T'as kiffé? Oui. Alors est-ce que je t'ai envoyé en enfer sur le jet ski? C'était incroyable, ça me dérange pas que tu m'envoies en enfer moi. Je vous jure, écoutez, j'ai plus de bras. Je suis engourdi de partout, je suis fatigué. En plus, je suis en nuit blanche. C'est pour ça un bon café, ça va de requinquena. Oh, oh là là. Bon, les refs, on a bien été finalement au café. On a pris un café. On vous a pas montré parce qu'on était KO. Là, on est rentré. Le bateau, c'était méchant. Jet ski, c'était méchant. Franchement, on a tous kiffé. Mes parents, ils ont kiffé. C'est une dinguerie comment le jet ski, ça tabasse. Genre, on est KO. Oh, c'était une journée intense de malade. Depuis 4h du matin, on s'arrête pas. Là, il est actuellement 18h57. Journée enfin finie. Bilal, il s'est endormi. Mon père, il s'est endormi. Il y a que les filles qui sont encore debout. En tout cas, j'espère que vous kiffez ce vlog, les frères. Mettez un maximum de likes. D'ailleurs, je vous mets mon Twitch juste ici. Venez en masse, parce que là, c'est la fin des ramadans. Donc, je vais commencer mes lives. Ici, le Twitch de Bilal. Allez vous abonner fort. Lui aussi, il va se lancer bientôt. D'ici juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais.
Dis, tu sens le crustacé, qu'est-ce que tu fais sur mon canapé? C'est vrai que là, je suis plutôt salé. Ça fait 1 minute 40. Toi, t'as kiffé le jet ski? De ouf. Mais, on n'a pas filmé notre partie. Ouais, tu l'auras raconté. J'ai filmé que moi tout seul, mais... Attends, c'est quoi? Je mets ça au lavage, j'arrive. Ouais, parce que frère, c'était une dinguerie, moi, Elias, qu'il y a eu. D'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas filmé, puisque j'aurais perdu la GoPro dans l'eau. Faut vous expliquer. C'était incroyable. Et la vie de ma mère, c'est un malade mental. Au début, vous savez, au Mexique, on a fait du jet ski. Genre, je me suis dit, ça va, je me mets derrière quelqu'un qui est tranquille. Je pensais que j'avais de la clé, là. Il était tranquille. Il était pas tranquille. Il tenait pas en place. Je me dis, c'est bon, de toute façon, tranquille, je me suis pas mis avec Adem. J'ai tenté l'expérience avec lui aujourd'hui. Plus jamais. Catastrophe naturelle, les frères. À pleine balle, je tournais d'un coup comme ça. Surtout qu'il y a eu une vague et d'un coup je tourne. Ah, mais les dingueries qu'il a fait. On s'est fait éjecter sur le côté, mon pote. En fait, t'allais à pleine balle, tout droit. D'un coup, il prenait un virage. Donc, du coup, avec la force et l'accélération, et bah, quand tu tapes sur le sol, et bah, automatiquement, genre, ça tombe d'un coup. Voilà. Et là, mes côtes et mes reins, genre, ça a pris d'un coup. Et en fait, le buggy, j'allais dire, le jet ski, il a fait ça. On a tenté de faire comme ça. On a fait fuck. Et on s'est éclaté dans l'eau, frère. Alors, heureusement, on n'a pas filmé, en fait. Vous savez quoi? Tellement j'étais morte de rire, j'arrivais pas à nager, j'avais plus de force pour remonter sur le jet ski. Il est tombé 15 fois, genre il arrivait pas à tenir. J'ai mis 15 minutes à remonter sur le jet ski, plus de sauce. Bref, en tout cas, c'était incroyable. Merci à Dubaï Chéri. À ce qui paraît, il y a un cadeau pour moi. Tu vas être trop content. Ça va? Est-ce que t'as faim un peu? Ouais, un petit brunch, ouais. Un petit brunch? Oh là là, my brunch. Vraiment, j'ai l'impression qu'il peut te rendre trop content pour rien. Ouais, le concombre. J'aime trop les trucs longs et durs. Tu as fait rire maman alors qu'elle est en train de prier. Ah, pardon. Concombre. Bon, Bilal, tu vas me manquer. Je vais me faire tuer tes mains. Oh, le linge. Oh là là, pourquoi ils mettent ça encore dans les escaliers? Je suis qui toi? Ta gueule, toi. Ah ouais, ça se voit, t'as pas dormi, t'es aigri de malade. Ça m'a idorme. Tout à l'heure, je dormais, tu t'embrouilles avec Léa. Coup du cul. J'ai les bourré. Bilal, il se barre. Non, je rigole. En tout cas, les refs, bon, je me suis attaché les cheveux, on dirait que je suis chauve, mais bref. C'est pas la fin de cette vidéo, mais c'est la fin des vlogs à Dubaï. Voilà, vlog Ramadan. En tout cas, c'était incroyable. J'espère que vous avez passé une bonne fête de l'Aïd avec votre famille, les frères. Nous, l'Aïd en famille touche à sa fin. Le voyage touche à sa fin pour Bilal. Hein. Mes parents, ils rentrent dans une semaine. Bilal, il rentre en France pour des petits projets business. Tu connais, business is business. Et puis voilà. En tout cas, c'était incroyable, franchement. Enfin, incroyable. Oui et non. Ma mère malade, tu connais. Je vais pas tout redire, mais bon. Plus de positif, je dirais ex aequo avec le négatif. On est sur du 50-50. On peut pas tout réussir dans la vie, c'est sûr. Là, on va démarrer le Golf 8R. À chaque fois, je suis content de le démarrer. Ça dure que 6 mois. Hein. T'es content que 6 mois quand t'as une nouvelle voiture. Après, t'en bats les couilles. Enfin bon, on ramène Bilal à l'aéroport et puis voilà. Après, vous inquiétez pas, hein, les vidéos, ça bouge pas. On fera une petite pause. C'est histoire de que mes parents rentrent en Turquie, que tout se termine correctement, parce qu'elle est fragile encore, ma mère, que tout se calme. Donc, on va faire une mini-pause, tu connais, de 10 jours, 2 semaines. Pas facile, les déménagements, les frères. Maximum de soutien en commentaire. Là, on est à peu près fini, donc ça va un peu mieux. Mais bon, les vidéos, ça bouge pas. Je rejoins Bilal en France bientôt pour tout arracher, les frères. Pour la famille, ça y est. Moi, je suis parti de mon côté, je suis arrivé à Paris, regardez. Facile à deviner, hein. Voilà, on a juste à regarder le ciel tout gris. En tout cas, en espérant que vous avez kiffé les vlogs Ramadan cette année. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais ils ont duré longtemps. Donc voilà. Adem, on s'attrape bientôt. Vous allez me manquer tout le monde, maman, papa, Léa, Kayla. On se revoit vite. Adem, bientôt à Paris aussi, va me rejoindre pour continuer les vidéos. Donc voilà, la famille, on alternera entre Dubaï et Paris pour faire des vidéos. Parce que moi, j'ai encore des choses à régler ici, donc voilà, vous savez pas tout. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, gros bisous à tous.